Pour ce qui est du jour
ou de l'air. Personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel. Ni les fils. Mais le Père lui-même. Prenez garde. Veillez et priez. Car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. À son arrivée soudain, supporté pour la lecture, Luc 12, 36 à 37. 12, 36 à 37. Soyez comme des gens qui attendent leur maître pour le tout. Des mariages. Et quand il arrivera, il frappera. Le serviteur lui ouvrira la porte. Ils sont errés. Ces serviteurs, si basali wana soki. En arrivant, na kokoma ya mokonzi na bango, le maître les trouve éveillés. Ah, kokonzi andako azali mokonzi na bango akuti bango na kosenge la misunga. Oui, je vous l'ai dit. Nazali koyebisa bino solo. C'est la vérité. Ezali solo. Il mettra son vêtement de travail. Akolati la mbani ya mosala. Il fera asseoir ses serviteurs. Akofandisa basali na ye. Pour le repas. Pona. Et il passera pour leur servir à manger. Nous terminons avec Hébreux 11, verset 5. 5. Hébreux 11, verset 5. Mon capo na zomi na moko zira moke amita. C'est par la foi que notre fille a pleuré pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. C'est la parole du Seigneur. Nous glorifions le Seigneur notre Dieu. Pour nous avoir permis encore ce soir cette rencontre. Et nous voulons attaquer rapidement notre matière. Et nous l'avons promis. Nous sommes en train de parler sur
Je suis le chef de l'armée. Tosali na kati ya kolobela na zali mokonzi ya mapinga de l'Éternel. Mapinga ya Yahweh. Qu'est-ce que cela? Yango. Qu'est-ce que cela? D'où cela est venu? Ah, yango e uti wapi? Pour que vous ayez l'esprit de ce que nous parlons maintenant. Nous essayons de changer les terrains de témoignages. Il y a un homme. Son nom était Enoch. C'est curieux pourquoi. Et que celui qui enseigne ces choses, c'est le Saint-Esprit. Il écrit cela dans le livre d'Hébreux. Et Hébreux, comme vous le savez, n'est pas adressé à Israël d'abord, mais à l'Église. Ah, et tali samite na Israël le moi na nzoto kas na ecclesia. Est-ce que c'est vrai? Voilà comment l'apôtre écrit à l'église. Ah, tala nengeli Thomas ali ko comme la ecclesia. Il savait très bien. Ayeba ki malam que Enoch et Enoch n'était plus sur terre. Asaraki na mabelete. Il savait très bien que Ayeba ki et Enoch c'était de l'histoire passée. Et ça là qui dit solo et le qui. Mais pour enseigner à l'église. Pour un côté ecclésia. Le Saint-Esprit est passé par là. Il a pris un témoignage. Ce qui s'était passé dans l'ancienne alliance. Voilà comment il nous enseigne. Il dit ceci. À l'obibouré. C'est par la foi et ça l'inanse à condiment qu'Enoch fut enlevé. Et Enoch a nettoyé ma qui pour qu'il ne vit point la mort. Et à mon alliance, sans comme on était et qu'il ne parut plus, mais à l'image du sous quel cas n'a pas tort parce que Dieu l'avait enlevé. Et des amis à nettoyer la qui est car était avant son enlèvement. Il y a un moyen de nettoyer. Vous voyez cet accent là. Omoni, siki siki wana. Vous remarquez ça? Qu'est-ce qui est dit? Nini lobami. Avant l'enlèvement. Yambo yaline toi. Je répète, qui a écrit ça? C'est moi. Nani a commis un peu sa linga et monté la bilan. Ce n'est pas toi. Et ça lui paye en terre. Dans toutes nos Bibles, cela se trouve. Dans ma Bible, la Bible est ma logo et sa vie. Remarquez bien. Bonne la madame. C'est par la foi. Et sa vie n'a pas été un condiment. La foi n'a pas commencé sur la terre avec Enoch. Ah, condiment, mandala ma belle terre n'a Enoch. Avant qu'Enoch puisse naître, il y a un peu Enoch à Botama. Il y avait la foi sur terre. Et ça là qui n'a condiment aussi. Avant qu'Enoch puisse apparaître sur la terre, il y avait la foi. La Bible dit dans Hébreux que c'est par la foi. Hébreux 11. Regarde, qui est-ce qui est cité là-bas? Qui est cité là-bas en premier? Hébreux 11. Voilà ce qui est écrit. En matière de la foi. Il est dit ceci. Je commence dans le verset 4. C'est par la foi. Qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dans cette liste, dressée dans Hébreux 11,
première personne que l'on a citée noir sur blanc, c'est qui? C'est qui? Amen. L'Église retenait ces choses pour garder bien l'enseignement. L'Église a combattu la macambo et pour la combattre la malhabilité. Dans la belle, à table la belle. Est-ce qu'il y avait la foi? Qu'on dit mais ça parce que c'est écrit. Était commandé. C'est par la foi. Et ça l'est dans la condition. Abel offrit les sacrifices. Et Abel a bonza qui me kakito comme lui. Du temps d'Abel. À table la belle. Et non qui était sur terre. Et non qu'à ça qui a osé. Et non, n'était pas né. As, a botama qui n'a une hôtel. Mais la foi était soumise. Parce qu'on dit, mais ça qui n'a pas belle. Dieu Nzam. Avait révélé la foi. A Tanisa qui condima. Il a fait grâce à quelques uns. A Sali Golou n'a pas mon corps. Ils ont reçu la foi. Parce qu'on dit, condima. Mais remarquez. Kasibota. Du temps d'Abel. A Tango d'Abel. Il avait la foi. A Zaki n'a condima. Il a offert à Dieu. A Bonze Nzambe. Caïen aussi. Caïn a paix. A offert à Dieu. Il est plus à Bonze la Kinzambe. Est-ce que c'est vrai? Qui pouvait interdire à Caïn d'offrir à Dieu? N'a pas quelqu'un qui peut qui s'accueille à Bonze l'Anzambé. Parce qu'il aimait Dieu. Oui, il y a un qui est Benzambé. Il avait oublié quelque chose. Si vous croyez dans ces textes, ce qui vous ont dit, mais on m'a commis, dans l'esprit des préances, n'a qu'à dire mon livre à mon candidat. Entre Caïn et Abel, n'a Caïn et Abel, qui avait la foi? N'a pas un condiment. Qui avait offert à Dieu? Les deux ont offert à Dieu. Mais parmi ceux qui ont offert à Dieu, un seul avait la foi. C'est encore la même chose ce soir. Plusieurs servent Dieu, mais tous n'ont pas la foi. Or, pour être agréable à Dieu, il ne faut pas compter sur ce que tu fais, mais compter sur ce qui t'a poussé de faire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Abel voulait offrir à Dieu. Caïn voulait offrir à Dieu. Caïn a n'est pas poussé par la foi, Dieu ne va pas créer cela. Même si vous construisez des temples, même si vous assistez des fêtes, même si vous faites 1 million, si vous n'avez pas la foi, Dieu ne va pas vous agréer. Comme personne n'avait interdit à Caïn, personne n'est interdit. Mais malheureux que tu seras, parce qu'à la fin, Dieu ne va pas t'agréer. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Même si tu acceptes d'être baptisé, attends, le problème, c'est demandé. Sur base de quel message as-tu été baptisé? C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice qui était plus excellent. Parce que Caïn et Abel, ils ont fait au même moment. Faites attention de servir Dieu dans le même moment. Ah, ok, ma mingi kosei la kanzambe tango moko minonyos. Quand on lui présente des sacrifices, tango basei la kaye bambeka, il regarde ce qui est excellent. Atalaka o esali akitoko mingi koleka moninga. C'est ce qui est écrit. Yangonde komani. Caïn veut le sacrifice. Caïn a zaki nambeka. Abel a fait aussi un sacrifice. Abel est bien qui n'a pas. La Bible dit, Bibliologie. C'est par la foi. Et ça Abel offrit à Dieu et Abel a bonté, un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Parce que Caïn offrait au même moment qu'Abel. Caïn a fait un sacrifice.
Amen. C'est comme on présente deux nourritures sur les deux tables différentes. Dieu choisit ce qui est excellent. Quand vous enseignez dans le même moment, il faut présenter ce qui est excellent. Parce que Dieu va créer ce qui est excellent. Malheur aux églises qui enseignent en ce même moment. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous me croyez? Vous allez comme mangai. Dieu a choisi ce qui est meilleur. C'est comme ça qu'Abel, malgré son sacrifice, il avait la foi. Mais après un temps, Abel est mort. Abel a couffé. Pourquoi Abel est mort? On a dit Abel a couffé. Parce que Dieu a dit aux hommes, après avoir mangé les fruits, il a dit quoi? Vous mourrez. Est-ce que c'est clair? Ah. La mort, Liwa, c'était le partage de qui? Et ça là qui n'a pas nani? De tous les hommes. Il y a maintenant son ancien amour. Je pense que vous comprenez bien. Asali, comment vous êtes posé sur la malade? Au début, Dieu lui-même a dit, ça fait mon calobi. Les jours que tu mangeras, c'est là. Tu mourras. Et quand l'homme a mangé de ses fruits, tu es venu l'ajouter. Tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Qui a dit ça? Dieu. Les hommes ont écouté ça. Mais tu as travaillé pour mettre la foi. Et il a révélé cette foi. Les gens avaient la foi. Ils étaient agréables à Dieu. À l'exemple d'Abel. Mais après un temps, Abel est mort. Abel a Kendaki a koufi. Est-ce qu'Abel avait la foi? Abel a sekina kondima. Il est mort. A koufi. Mais remarqué. Quelques temps après, les gens continuaient dans la même foi. Ils avaient la foi. C'est dans cette logique-là qu'un homme aussi est apparu. Et selon la Bible, un homme était quatrième depuis Adam. Il était quatrième. Nous ajoutons. Enoch, il était Asalaki Baka Yasambo Uta Dama. Est-ce que c'est clair? Et ça lui pour les. Quand le septième est arrivé, Tambo Oyasambo Akoni. Son nom c'est qui? Kombole Zakina. Retenez ça. Bokanga Yango Malam. Le septième Enoch. Oyasambo Enoch. Il est arrivé. Akoni. Dieu lui a révélé la même foi. La même foi qui était dans Abel. Abel a reçu la foi. Il est mort. Enoch a reçu la foi. Mais seulement quand Enoch est arrivé, selon l'enseignement d'Hébreu, il dit ceci, que avant l'enlèvement, Dieu lui avait rendu témoignage que toi tu étais agréable. Qui lui avait dit? Ce n'était pas les hommes. C'était qui? C'était qu'avec Enoch, quelque chose s'était passé. C'était quoi? Parce qu'il était septième. Le même Dieu lui a donné un enseignement particulier. Il lui a dit, toi Enoch, tu ne mourras pas. Qui dit ça? Qui avait dit à l'homme tu mourras? Mais avec le temps, le même Dieu, il donne à Enoch un autre message. Que si tu n'es pas intelligent,
Tu verras comme s'il contredit ce qu'il avait dit aux humains. Parce qu'il a dit aux hommes quoi? Vous mourrez. Et donc était aussi le nom. Et donc Kazaki peut monter. Mais quand Enoch est arrivé, la Bible dit, Dieu enleva Enoch pour qu'il ne fût pas la mort. C'est qu'Enoch ne devrait pas partager la même fin que tous les humains. Est-ce que c'est clair? Il est quantième? Septième. Il y a Sam. Retenez cela. Qui dit qu'il est septième? C'est la Bible toujours. Jude 7. Je sais que vous le savez, mais nous lisons cela. Dans le livre de Jude, quelqu'un a enseigné. Et il est temps de préciser dans le verset 14. C'est aussi pour eux. Et ça dit peu Nicolas Batouana Yahouli. Qu'Enoch, le septième, depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Enoch était quatrième. C'est ce que j'écris, Enoch. Septième. Partant d'Adam. Est-ce que c'est clair? Et en son temps-là, il y avait un type des hommes sur la terre. Ils étaient comment? Des gens très violents. Est-ce que vous me comprenez? Enoch, arrivé dans ces temps difficiles, il avait aussi la même foi. Mais seulement Dieu a jugé bon de lui dire quelque chose qu'il n'avait pas dit aux autres. Tout ce qui avait la foi savait que bien que nous avons la foi, mais comme nous avions péché, l'un des jours sur cette terre, nous allons mourir. Et non aussi, quand il a reçu la parole, il marchait dans cette logique-là. Quelle logique? Après un jour, je mourrai. Mais Dieu, qui fait grâce à qui il veut, il a dit à Enoch, quand même tous les autres sont morts, mais pour toi, tu ne mourras pas. C'était un enseignement difficile à cet âge. Tu auras des difficultés de croire. Tu te demanderas, est-ce que le même Dieu ou est-ce que tu es? Est-ce que vous me comprenez? Écoutez, il y a des choses qui sont faciles à croire parce que cela est arrivé dans la vie d'une autre personne. Ah, et ça dit la vie sous ces péter à condiment pour comme les monina. Toi, tu sais que je sers Dieu. Et tu es conscient qu'Abel aussi a servi Dieu. Et tu sais que tu as reçu la même foi qu'Abel. Bien qu'il avait la foi, Abel est mort. Et tu sais pourquoi il est mort? Parce qu'il était dans le même corps que toi. Est-ce qu'Enoch avait le même corps qu'Abel? Il servait le même Dieu. Ils avaient le même corps venu de la poussière. Le même corps venu de la poussière. Mais seulement Dieu dit au septième, toi, yo, tu ne mourras pas. Est-ce que c'est clair? Amen. Un type d'enseignement nouveau. Ah, le légume en qualité à Sika. Mets-toi à la place d'Enoch. Mitiya de Sika Enoch. Tu vas dire ça aux autres? Ou tu vas garder ça en secret? Donc, bon, maman, pour la même encore la secrète. Marchons ensemble. Tu reçois un enseignement.
que les autres n'avaient pas. J'ai dit sincèrement, tu vas commencer à te demander, est-ce que c'est le même Dieu? Il y a des possibilités que tu dises que c'est un démon. Ah, et ça n'est pas l'on est que tout seul, mais que les amis m'ont bien dans le pire malité. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cette raison-là. Et ça n'est pas un bon. Comme cet enseignement était difficile, le corps de terre n'est pas qui passe. Il fallait que Dieu lui-même, et c'est là qu'il s'appelle mon corps, puisse ajouter quelque chose à un autre. Ah, pas qui c'est le corps, mon corps, quand il est notre. Par rapport à l'enseignement qu'il a reçu, la cardinalité en son qui. L'écrivain de Hébreux dit, à mon premier de la lumière, avant l'enlève. Quand tu as l'esprit du texte, est-ce que non savait qui s'est enlevé? Et non, qu'est-ce que tu as connu toi? Suivez bien. L'enlèvement de Noé était une surprise où Dieu avait enseigné Enoch sur l'enlèvement avant d'arriver. L'inmètre Enoch et Zara qui emploie sa tombe à terre qui est Yambo et Yambo et Koma. L'éternel Dieu, Yahweh Zambé, de la Bible, ne fait rien à ça les locataires sans l'avoir révélé à ses serviteurs. Yambo et Atari Servo dans ma salle, Nayo Massakoli. Est-ce que Enoch est un prophète? Il est écrit, c'est par la foi que Enoch, le septième, avait prophétisé. Il était prophète. Et Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs. Avant l'enlèvement de Enoch, est-ce qu'Enoch savait qu'il avait l'enseignement de l'enlèvement? Cet enseignement-là, c'est Dieu lui-même qui lui avait donné ça. Il a qui soit dans sa belle beaucoup d'appel qui est. Et non qu'a cru à ça. Et non qu'en dit. Il n'a pas fui. À qui m'a tête. Ce n'était pas un démon pour lui. Mais c'était l'enseignement de la vérité. Pendant qu'il marchait, en d'autres termes, à la fin de sa marche, nous pouvons lire dans d'autres termes. À la fin de sa 40e année. Est-ce que vous me comprenez? À la fin de son exode, c'est quelque part là que Dieu lui-même lui a donné ce témoignage. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Nous mettons point d'interrogation. Si quelque chose n'est pas clair ici, ce qui est là que vous ici, qui a si, si. Ce qui a tu as fait quelque chose ça et que cela n'est pas clair, regardez dans ce que tu feras. Tu trouveras des détails. Mais peut-être qui t'avait échappé dans ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que Yahweh est celui qui ramène ce qui a été. Sous le ciel, rien n'est nouveau. Lisons encore cette écriture, j'aime beaucoup ça. Ecclésiaste 3. Voilà ce qui est écrit. Le verset 15. Il est écrit ceci. Et comment il boye? Ce qui est Oyo Eza Sikoy a déjà été. Et si Ezala Kankala. Et ce qui sera Oyo Eko Komaka a déjà été. Et si Ezala Kankala. Et Dieu ramène ce qui est passé. Benzambe Azongisa Oele Kaka. Vous croyez à cette écriture? Qu'est-ce que Dieu fait? Zambé Asalami. Il ramène à son ce qui est passé. Oh, il est car. C'est que quand tu as fait quelque chose, il ne laisse pas passer ses faits. Quand le temps passe, il revient avec la même chose. Il peut changer les mots. Il peut changer des éléments. Mais il ramène la même pensée. Ah. Est-ce que c'est clair? Amen.
Maintenant, nous voyons l'enlèvement d'Enoch. Si nous avons la lunette d'Enoch. Et la Bible dit, avant son enlèvement, quelque chose était passé. Et donc, comment quoi le cas? C'était Dieu lui-même qui rassurait Enoch. Il lui donnait un témoignage. Et Enoch savait que moi, je ne mourrai pas. Mes frères, Dieu fait cela. Il est celui qui fait grâce à qui il veut. C'est pour cette raison que je t'ai dit. Tu n'es pas les autres. Dieu est capable de te conduire dans un chemin compliqué. Je prends un témoignage pour avancer. Pour que les femmes accouchent sur la terre. Il était naturel qu'elles perdent leur virginité. Mais quand Marie est arrivée, elle aussi devait accoucher. Mais Dieu qui fait grâce à qui il veut, il a conduit Marie dans un autre chemin compliqué. Ce n'était pas le diable, c'était qui? Dieu lui-même. Est-ce que c'est clair? Il est celui qui fait grâce à qui il veut. C'est pourquoi, si les autres réussissent, parce qu'ils ont des diplômes, ne pensez pas que tous ceux qui ont des diplômes réussiront. Tu es capable de te donner une réussite sans les diplômes là. Il y a quelqu'un qui sait conduire les gens dans les chemins compliqués. Si toi tu as reçu, parce que tu es très joli, Dieu peut prendre quelqu'un qui n'est pas beau et lui faire grâce selon ce qu'il veut. Tous les hommes étaient destinés à la mort. Mais quand Enoch est arrivé, il dit à Enoch, c'est moi Dieu qui ai dit que les hommes mourront. Mais toi Enoch, j'ai dit tu ne mourras pas. J'ai dit il y a des enseignements parfois très difficiles que les autres, en écoutant, ils peuvent se moquer de toi. Mais toi, si cela est venu de Dieu, garde cela et reste ferme dans ta foi. Dieu fait ça avec les gens. Regardez. Il dit à Enoch, toi tu ne mourras pas. Et Enoch a crié à cet enseignement. Et Hébreu dit, avant Yambo, son enlèvement, yel, Dieu Zam, lui a donné témoignage. Moi, je sais ça pourquoi. La pour la imaginez Dieu, lui-même, en train d'enseigner une personne. Na il veut te rassurer. Je te dis, on a ce que je vais faire. On a ça n'a jamais eu lieu. Mais je l'ai fait. Quand même c'est difficile. Pour les hommes, moi je l'ai fait. Je t'ai dit de croire à ce que Dieu t'a dit. Ne regarde pas ce que les gens disent. Crois ce que Dieu t'a dit. Il n'est pas devenu Dieu par hasard. Il sait toujours ce qu'il dit. C'est pourquoi je dis, si cet enlèvement n'était pas trop clair, nous allons voir un autre enlèvement que le même Dieu a fait. Comment cela s'était passé? Je répète, Hébreux 11 est écrit à qui? À Enoch? À Élie, à Jésus, on a écrit ça à qui? À l'église. Est-ce que l'église épouse? Sera aussi enlevée? L'épouse sera enlevée? Si l'épouse sera enlevée, par le même Dieu qui a enlevé Enoch. C'est qu'avant l'enlèvement de l'épouse,
quelque chose qui va se passer. Parce que l'Éternel est celui qui ramène ce qui a été. Est-ce que vous me comprenez? Nous voulons prendre un témoignage de l'enlèvement d'Élie. Lisons dans la Bible. Nous sommes dans le livre de Rosalie Namukada Makumu. 1 Rois 19. Mukada Libosu ya Makumu, Mokapo Yasomi Namibua. 1 à 4. Molombo ya Libosu Kino na Yamine. Le roi Akab. Kumu Akab. Épice 15 à 16. Le roi Akab raconte à Jézabel sa femme tout ce qu'Élie avait fait et comment il a fait tuer tous les prophètes de Baal. Jézabel envoie un message, dit un messager dit à Élie, Jézabel a dit mon message comment qu'il se dit demain à cette heure-ci, j'espère que je t'aurai traité comme tu as traité tous ces prophètes. Sinon que les dieux les punissent très sévèrement. Élie a peur et il s'enfuit avec son serviteur pour se sauver sa vie. Il arrive à Beersheba, dans le royaume de Juda. Il laisse son serviteur à cet endroit, puis il marche pendant une journée dans le désert. Il s'assoit sous un petit arbre. Il a envie de mourir. Et il dit, maintenant Seigneur, c'est trop. Prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est 15. Le Seigneur lui dit, reprends la route par le chemin du désert. Va, je saute pour lire l'essentiel. Puis 16. Puis tu consacreras Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Meola, comme prophète pour te succéder. Qui a dit ça? C'est Dieu. Élie, un prophète de Dieu. Il avait la même foi qu'Abel avait. Est-ce que c'est vrai? Amen. Il servait le même Dieu. Dans son temps, il y avait plusieurs prophètes qui servaient le même Dieu. Les enfants d'Israël, ils ont commencé à tuer les prophètes. Ils étaient vrais prophètes de Dieu. Ils étaient des vrais prophètes. Israël faisait des complots contre ses prophètes. On les tuait. Un vrai prophète de Dieu peut être cible des complots. Et Dieu peut permettre aussi qu'il meure. Parce que c'est là qu'il y a ta vie. Et toi qui as tué les prophètes, tu n'es pas plus fort. C'était simplement leur temps à vivre sur la terre qui était consommée. Mais à la fin des comptes, si tu ne te réponds pas, le Dieu de ces prophètes que tu as tués, il te jugera un jour de ce maître dont tu es porteur. Ah, Yakobo.
puissant. Élie, il a vu ses collègues qui priaient, qui servaient les mains de Dieu. Maintenant, Jézabel, après avoir appris ce qu'Élie avait fait, il avait fait quoi? Il avait ordonné aux enfants d'Israël de tuer le prophète de Baal. Un jour, il a dit à ses prophètes qu'ils choisissent un faux. Et lui aussi prend un autre taureau. Il dit maintenant, quel vôtre Dieu? Celui qui répondra par les cheveux, celui qui sera Dieu. Et lui n'avait pas dit, évoquer le feu. Non. Cela n'est pas écrit dans la Bible. Il était dit d'évoquer qui? Non, pas l'éternel. Yahweh. Et faut qu'un vôtre Dieu. Je vais mettre un point clair ici avant d'avancer. Est-ce qu'il était serviteur de Dieu? Oui. Il était vrai ou un faux prophète? Un vrai. Peut-être qu'il y a une petite confusion entre l'éternel et Dieu. Je profite ici pour te faire passer cette chose. Entre éternel et Dieu. C'est des concepts. Qu'est-ce qui précède l'autre? Écoutez, Élie dit aux enfants d'Israël. À partir de maintenant, éternel n'est pas Dieu. Yahweh a sali Nzambete. Vous me suivez? Vous êtes là, Nagai. Votre Baal. Baal. Oh, n'est pas aussi Dieu. Asape Nzambete. Parce que Dieu, pour te Nzambé, n'est pas un être. Asali te kila mumoko boye soki ndegeni. C'est un titre. Ezali a Nzambé ezali mosala moko ya moto asali ne babambi ekombo wana. Tu vois toi, tu es un homme. Aux amis montants. C'est pas ça. Les avons monté. Mais un jour dans la vie, tu peux devenir médecin. Tu peux devenir magistrat. Est-ce que c'est vrai? Le jour que tu deviens médecin, c'est pas ce jour que tu es devenu homme. Tu es homme avant de devenir médecin. Est-ce que c'est clair? Amen. Médecin, ce n'est pas un être. C'est un titre. Une qualification de ce que tu es devenu. Est-ce que c'est clair? Amen. Ainsi, Dieu n'est pas un être. Mais c'est un titre. Parce que ces jours-là, Élie a dit, éternel, tu n'es pas Dieu. Baal, tu n'es pas Dieu. Maintenant, entre éternel et Baal, c'est lui qui fera quelque chose. C'est son œuvre qui démontrera qu'il est devenu Dieu. Il n'y a pas de Dieu sans les œuvres. Est-ce que vous me comprenez? Ah. Et éternel Père, a accepté ça. À ce jour-là, il n'était pas Dieu. Il était simplement éternel. Et on a mis ce titre de Dieu comme une coupe. Parce que comme on est en Zambé, l'okola o ezali. Et l'autre mot comme ya. Donc celui qui fera quelque chose, celui qui prendra ce titre de devenir champion. Est-ce que c'est clair? C'est comme ça les prophètes de Baal, ils ont commencé à évoquer. Ils ont évoqué. Et je vous dis, si Baal osait faire descendre le feu, n'oublie jamais l'éternel ne sera Dieu. Ah, Yahweh,
Il est l'Éternel qui répond. Si quelqu'un te défie, fais passer l'Éternel devant. Est-ce que vous comprenez? Comme il est bien relevé les défis, le corps a il a accepté ça. Dit je vais jouer. Et quand l'Éternel est arrivé dans ce terrain-là, pendant que l'on évoquait Baal, Baal, l'Éternel lui a dit, ici, tu ne feras rien. L'Éternel est capable de faire dormir les dieux de tes ennemis. Amen. L'Éternel est capable de prendre contrôle d'un terrain afin qu'aucun petit dieu ne fasse n'importe quoi. C'est pourquoi ce jour-là, Élie était fier. Il savait qui est qu'il servait. Et avec fierté, il n'était pas pressé. Il a laissé au bal de pouvoir agir. Les prophètes ont commencé. Bal! 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 Et il était calme. Un homme qui a la chose n'est pas agité. Il n'était pas prévu. Oh éternel, non. Il savait que je suis le serviteur du vrai. Et il était en train de regarder les gens. La Bible dit à midi, ils ont commencé à prophétiser. Qui prophétisait? Les prophètes de Baal. Tu sais, si tu arrives à ces temps, c'est là où les gens tremblent. Il est écrit, il faisait quoi? Toi, quand tu te tiens devant les prophètes, tu crois que c'est Dieu ici. Ils ont prophétisé. Ils ont prophétisé. Ils ont prophétisé. Et lui était là. Il savait qu'ici, faites toutes les prophéties que vous prenez. Vous allez sortir des mantènes. Ne tremblez pas devant les prophètes parce qu'ils ont prophétisé. Ah, collègue, ma tête, vous allez sacoler. Il était là calme. Mais il les pousse encore. Il crie. Crie encore fort. Parce que votre Dieu, votre Baal, c'est un petit Dieu. Il dit, il se peut qu'il est en voyage. Donc comme il voyage, il oublie là où il était. Il dit encore, peut-être, il est occupé quelque part. C'est du genre de Dieu. Quand il regarde vers ses magiciens, sa pensée est ici. Il ne peut pas écouter encore l'autre là. Parce qu'il est limité. Mais l'Éternel, Yahweh, il peut voyager. Il peut faire un déplacement. Mais là où il est, il est présent. Vous ne comprenez pas, je vais vous dire. Si l'Éternel est ici, so qui Yahweh Azali, il écoute celui qui lui parle. Au même moment, une autre personne, qui est croyante, elle a quelque part, a besoin de lui. Au même moment, l'Éternel écoute les Chinois. Au même moment, il écoute les Français. L'Éternel sait écouter toutes les langues. Mais il y a des dieux qui pour écouter des langues, il faut que quelqu'un l'interprète. Ah, et ça ne va pas nous supporter. Quand tu as essayé de monter sur la catikata, ça va. Quand il est versé sur toi, il faut qu'il termine avec toi. Essayez de casser ça d'ailleurs. Avant d'écouter l'autre. Pour Ayoka Moussous, mais pas l'éternel. Nous avons beau noter. Jésus a dit ceci. Jésus, là. Il y a deux, trois réunis à mon nom. C'est facile. Hein? Nous sommes ici deux et trois. Les autres deux et trois en Asie. Les autres trois en Amérique. Les autres trois en France. Il va écouter qui? Il écoute tout le monde. L'Éternel sait le faire. Mais Baal ne peut pas faire ça. S'il est occupé au nom.
le Dieu que tu dois servir, c'est l'Éternel. Amen. C'est pourquoi ces jours-là, Élie dit, invoquez, il crie, il n'a rien. Il écoutait. L'histoire. Pourquoi Élie n'a pas fait de longues prières. Élie a salité le bon Dieu. Il prend l'autel. Il rétablit. Dieu ne t'écoutera pas parce que tu as prié pendant longtemps. Élie se tient là, écoute ses paroles. Éternel, Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, démontre à ses peuples que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et que sur ta parole, je l'ai fait. Le feu descend. Quand le feu est descendu, ce n'était pas un feu mystère. Le feu était l'œuvre que Yahweh avait fait. Le peuple a vu ça. Ils se sont prosternés. Ils ont dit, l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Je mérite que dans tes problèmes, dit à l'Éternel, si tu es Dieu, fasse quelque chose que je vois et que je témoigne que tu es Dieu. C'est après le œuvre que l'Éternel confirme qu'il est Dieu. Un Dieu qui ne fait rien. Les œuvres de l'Éternel magnifient ce qu'il est. Ah, Misala Yahweh tombe la carte et pèse le coup mon amour Yazali. Jézabel, après avoir écouté ça, on a tué les prophètes de Baal. Abomi Basakoli Abal. Il n'a pas eu peur de lui. Et moi, si on a banga Basakoli, est-ce que vous imaginez? Mino, bonjour mon ami. Elle a pris. Ayoki. Que le Dieu d'Élie a fait descendre les yeux. A quitté si moto ou tamakolo. Jézabel n'avait pas pris ça. Ayoka qui a moté. Mais il n'a pas eu peur. Ayoki a tassom à sa mère. Il y a quelqu'un qui te défiera. Et ça n'a moto moko à côté de mélo la tête. Amen. Il connaît les œuvres que ton Dieu a fait. Attaque à Yébi du salon Zambéla à moné la salle là. Et dit comme un homme. Élie a encore la moto. Il a eu peur. A suivi au bac. C'est pas ce que nous avons dit. Amen. Pourquoi il a peur? Parce qu'on lui a dit, demain, lobby, à 7h, je vais te tuer. Vous me comprenez? Ah. C'est que demain à 7h, tu deviendras un mort. Jusque là, il y avait l'Esprit de Dieu. Il était prophète de Dieu. Il avait la parole de Dieu. Toi aussi, tu peux avoir la parole de Dieu. Il y a des choses que tu entendras. Tu peux te refroidir. Tu peux avoir peur comme un homme. Mais le Dieu à qui tu as crié, malgré ta foi, il va te refroidir. Il va te réchauffer. Je répète. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a salini. Il a eu peur. Il a fui à Kimi pour aller se cacher loin de Jézabel. Et Jézabel, quand il lui a dit, demain, à cette heure-ci, tu mourras. Vous savez pourquoi il avait dit ça? Et il dit, si je ne te tue pas, mais Dieu, qu'il me traite avec sévérité. Ah, papi, on a dit tout, ma casse. C'est que la force de Jézabel. Ma casse à Jézabel. Au sein de votre famille. Il y a un magicien. Il y a ses petits numéros. Et il croit que parce qu'il a ces démons-là, les malédictions qu'il a prononcées contre toi, il poursuivra toute la vie. Nous disons à ces magiciens, nous disons à Jézabel, tu as des dieux, mais nous, nous avons l'Éternel. Il est quelqu'un qui relève les défis. Tu dis quoi? Demain à 7h, je mourrai. Je dis, l'Éternel, si tu es Dieu, ne me laisse pas dans la main de Jézabel. Qui pouvait savoir partout où Élie se trouvait. Malgré
Dieu. Attends.